Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 12 juillet 2024, 8h48, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Tellement de choses à vous partager, tellement de nouvelles, il y a tellement de distractions. Tu dois comprendre qu'avec le complexe médiatique, qui s'est spécialisé dans la désinformation, dans la propagande, et souvent même dans le mensonge pur et simple, on n'a qu'à penser à Joe Biden et ses quatre dernières années de présidence où les médias savaient très bien ce qui se passait, mais l'ont caché aux Américains et au monde entier, parce qu'il faut pas oublier que les, les États-Unis sont encore un pays très, très dominant et important. Et la question est de savoir, c'est, on cache quoi? Bon, on cache l'état de santé, naturellement, et euh, l'état euh, des facultés mentales de Joe Biden, mais on cache aussi le fait de savoir qui gouverne les États-Unis vraiment. Je pense qu'on s'en doute, tout le monde le sait, comme qui gouverne tous nos pays, c'est un groupe occulte qui comprend le complexe industriel très puissant. Tu peux penser à euh, BlackRock, Vanguard, toutes ces grosses têtes qui contrôlent tout l'argent, toutes les ressources naturelles, tous les, les fonds d'investissement qui menacent les entreprises si elles ne se plient pas à leur agenda, que ce soit pour l'urgence climatique. L'LGBTQ++, l'inclusion, l'équité, tous des concepts nuls dans le sens où ils sont complètement vides. Ben les menacent de ne pas avoir de financement parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ces gens-là qui sont les plus puissants au monde, c'est eux qui gouvernent tout et qui contrôlent tous les gouvernements. Donc le complexe industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe militaro-industriel et le complexe médiatique, ben c'est leur petit bébé parce que ça leur appartient aussi. Et c'est eux qui contrôlent le narratif. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ces gens-là répètent toujours, tout le temps, tout le temps, la même chose. Maintenant, avant, il y a tellement, tellement de distractions, mais ce qui passe sous le radar, et c'est ça que je veux vous partager, parce que c'est très important, ça fait des années qu'on monte ça, on monte ça, le, la fameuse grippe aviaire qui touche les, les cheptels d'oiseaux de, 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 de ferme, d'oiseaux aussi euh, sauvages depuis des années, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, qu'on monte ça, on monte ça. Avec raison ou non, ça fait partie de la réalité de la vie. Et là, on le sait, quelque chose de gros s'en vient en novembre. En novembre, il y a l'élection des euh, États-Unis présidentielle, où maintenant, on voit Donald Trump dominer tous les sondages et tous les États-clés qu'on appelle les fameux euh, « swing states », ceux qui se promènent, là, les têtes, euh, les girouettes. Une fois, ils votent républicain, une fois, ils votent démocrate. Moi, je ne peux pas comprendre comment tu peux… En tout cas, c'est pas important. Mais ces états clés là que les Américains dans leur langage des experts politiques appellent les swing states, ça veut dire les états qui, qui ont le cul entre les deux chaises. Ben Trump c'est ceux-là qui te font gagner le collège électoral, Trump les domine. Pour plusieurs raisons. On a beau essayer avec les médias de mentir et dire, comme ici, que oh l'inflation commence à être contrôlée, mais les prix baissent pas. Les prix continuent toujours à augmenter. L'inflation n'est pas contrôlée. Le prix de l'essence est toujours très élevé. Le prix des logements est toujours très élevé. Le prix des propriétés est de plus en plus élevé. Le prix des assurances, le prix de tout est de plus en plus élevé. Ça va pas bien pour la classe ouvrière. Et tes médias ont beau te raconter n'importe quoi, eux autres, ils vivent dans une autre dimension. C'est du monde qui n'a aucun problème financier. C'est le jet-set de la télé, c'est le jet-set des affaires, c'est le jet-set de, de, des arts, c'est le jet-set de tous les domaines. C'est sûr que quand tu es dans le jet-set et tu aucun problème financier, tu peux raconter n'importe quoi. Mais ceux qui vont à tous les jours magasiner pour essayer de nourrir leur famille, ils savent que l'inflation n'est pas contrôlée. Tu comprends? Et ainsi de suite. Bon, ceci étant dit, Donald Trump, à 99 99,999% plus 0,01%, qui est égal à 100%, a 100% des chances d'être élu. Et on, a, on le sait lors de sa première présidence, tout l'état profond qu'on appelle le Deep State, c'est-à-dire le vrai gouvernement, ceux qui sont là, puis qui ne bougent pas, puis qui, qui sont les représentants de ce culte dont je vous parle. Mais ben, autres, ils l'ont dit à maintes reprises par la voix de leur marionnette que sont tous les politiciens. Donald Trump ne sera jamais président à nouveau. Peu importe ce que ça va coûter. Pas qu'on a peur de Donald Trump et des politiques de Donald Trump, ça, c'est des épouvantails à moi, nous. Parce que Donald Trump, c'est une marionnette comme les autres, comme Vladimir Poutine est une marionnette comme les autres. Et David Ike a donné une bonne entrevue il y a quelques jours, je pense que je vous en ai parlé, puis je vous ai. Laissez le lien, je vous le laisserai peut-être le lien dans la boîte de description. Il dit, tout ce monde-là est ensemble. Poutine est allé s'asseoir sur les genoux de Klaus Schwab euh, lorsqu'il était un jeune politicien prometteur. Tu comprends? Ils sont tous passés, ils sont tous dans le même jeu, dans la même game. C'est pour ça que tu n'as pas de guerre mondiale, tu n'en auras pas de guerre mondiale, parce que tout ce monde-là a un seul et unique but, c'est d'abord de contrôler leur population, terroriser leur population. Pour pouvoir les contrôler encore plus facilement. Puis c'est un jeu. C'est un jeu qui coûte très cher. Ça coûte cher en vie, puis ça coûte cher en argent aussi à la population. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que toutes les dépenses, puis toute l'impression d'argent qu'on fait, qui fait que ton argent ne vaut plus rien, c'est un impôt qu'on te donne, c'est une taxe, mais on ne te le décrit pas comme ça. Donc, ces gens-là, on dit jamais il va être président nouveau. On va prendre tous les moyens nécessaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on a peur de Donald Trump dans le sens de ses politiques. Donald Trump n'est même pas allé après Hillary Clinton quand il disait en campagne électorale puis dans les débats Oh, si moi juste en charge du département de justice, je vais la mettre en prison. Parce que c'était juste, juste des débats. C'était juste du spectacle. Puis il n'a jamais, jamais persécuté qui que ce soit alors que tu as vu ce qui est arrivé. Avec l'État profond qui s'attaque à Donald Trump. Il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump, pendant 72 ans, il y a eu zéro, zéro accusation de quelque sorte que ce soit. OK? Zéro. Il a été président quatre ans, puis c'est l'homme le plus enquêté de l'histoire de l'humanité, puis il se retrouve avec des accusations qui tombent du ciel comme des pluies en pleine mousson en Inde pose toi la question à savoir pourquoi ça arrive. Donc, c'est pas parce qu'il y a des politiques Waco, parce que c'est loin d'être WACO. Ils représentent Wall Street, ils représentent le monde de l'industrie du pétrole, du gaz, et même du complexe militaro industriel. Donald Trump a été le président qui a endetté le plus les États-Unis. pas lui qui a arrêté les dépenses, là. Ce qu'on a peur, puis ce qu'on n'aime pas avec Donald Trump, c'est qu'on ne peut pas le contrôler. Contrairement à tous les autres politiciens que tu peux contrôler. Lui, tu ne peux pas le contrôler dans ce qu'il dit, puis dans ce qu'il tweete. Et Donald Trump, son plus grand crime, ça a été d'avoir éveillé toutes les populations mondiales, pas juste les Américains, toutes les populations mondiales, au fait que le complexe médiatique est l'ennemi du peuple, peu importe où tu te trouves. Que le complexe médiatique est là pour représenter l'élite et l'élite seulement et les intérêts de l'élite seulement. Ça, c'est partout dans tous les pays. Donald Trump a éveillé aussi le monde au fait que les politiciens, c'est des gros, zéros, pointés qui font encore là que représenter le complexe militaire ou industriel, le complexe industriel, puis que ces gens-là sont juste pour leur propre intérêt restent là pendant des décennies et des décennies à accomplir zéro à créer toutes les guerres, toutes les misères, toutes les injustices, puis viennent te promettre à chaque campagne électorale qu'ils vont régler tous les problèmes qu'eux-mêmes n'arrêtent jamais de créer. Il a exposé ça, il n'y a pas un autre politicien avant Donald Trump qui a exposé puis qui a attaqué la classe politique puis qui a attaqué le complexe médiatique Pense-y deux secondes. Tu te présentes à la plus haute position politique du monde, présidence des États-Unis, puis tu te mets le complexe médiatique à dos en les accusant d'être l'ennemi du peuple, puis tous les autres politiciens en disant « c'est tout, des pas bons, ça, là. ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont là », puis tout ce qu'ils ont fait, c'est d'accumuler ta misère, ta misère et les problèmes. faut le faire pareil. Donc... C'est un, un cas spécial. Le 4 novembre ou le 5, c'est cette année, le 5 novembre, l'élection, c'est une des élections les plus importantes. Je t'ai dit que cette année 2024, il y avait 60 élections dans le monde. Presque 4 milliards de nos frères et sœurs qui s'en allaient voter. Souvent, pour rien, parce que tu ne sais même pas ce qui arrive avec ton bulletin de vote, mais ça, c'est une autre question. C'est beaucoup de monde. Et ça, c'est une des plus importantes. Et qu'est-ce qui arrive au mois d'octobre? Parce que tu le sais qu'ils veulent bloquer le monde entier, le complexe industriel mondial, le culte qui nous gouverne, veut bloquer Trump. Pas parce qu'il y a des politiques, comme je te dis, qui vont transpouiller. Du... Vraiment pas révolutionnaire, là. Mais lui, tu n'es pas capable de le contrôler. Il va pas arrêter pendant quatre ans d'insulter in... tout le monde, d'éveiller de... 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 tout le monde au fait que. Regarde autour de toi, mais il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire, sauf au moins l'éveil se fait. Parce que si tu veux changer le monde, faut il faut qu'il y ait un éveil. Qu'est-ce qui arrive au mois d'octobre? Ben oui, le 2 octobre, il y a un sommet international sur la grippe aviaire. Bienvenue au sommet international sur la grippe aviaire, où nous aborderons les préoccupations urgentes entourant le développement ou les développements récents de la grippe aviaire avec l'émergence d'une souche extrêmement virulente de la grippe aviaire affectant à la fois les bovins et les humains. Il est impératif que nous nous réunissions pour discuter de la préparation, des stratégies de réponse et des implications futures de cette situation oh, en évolution. Ça, c'est sur le site de euh, ce sommet-là, qui est euh, Cash, qui est le Canadian. Animal Health Surveillance System. Pendant ce temps-là, les États-Unis, le gouvernement américain, vient d'accorder à Moderna 176 millions de dollars pour produire un vaccin contre la grippe aviaire. Je ne l'invente pas, je ne l'invente pas, c'est là. Le gouvernement américain a accordé 176 millions de dollars à Moderna, ouvrant un nouveau volet pour faire avancer le développement de son vaccin. Pardon, contre la grippe aviaire, a annoncé mardi la société alors que les inquiétudes grandissent concernant une épidémie de virus H5N1 dans plusieurs États chez des vaches laitières et des infections de trois travailleurs de l'industrie laitière depuis mars. waouh Le 2 octobre. L'élection est le 5 novembre. Qu'est-ce qui va arriver entre aujourd'hui? Et le 2 octobre, et aujourd'hui, et le 5 novembre, il y a plein de choses qui vont arriver. Tu le sais que tout est possible. La seule chose dont tu peux être certaine, c'est qu'on ne veut pas que Donald Trump revienne. Et ils vont prendre tous les moyens pour s'assurer. Ah, je pense que je pas de. Attends, j'ai tellement de pages ouvertes. Euh, je vais en éliminer quelques-unes pour que tu puisses voir qu ce que j'avais à te. Partager. Je pense qu'on devrait être bon. Quand j'ai trop de fenêtres ouvertes, je ne peux pas vous partager. Ça y est. Donc, tu le vois. Sommet international sur la grippe aviaire 2024. Date du début du sommet 2 octobre. Et, je te laisserai des liens, là, mais il y en a tellement. Reuters de 2 juillet. Le gouvernement américain a accordé 176 millions de dollars à Moderna. Ouvrant un nouveau, un nouveau volet. Pour faire avancer le développement de son vaccin contre la grippe aviaire. Patati patata patati patata. Aïe aïe aïe. Préparez-vous. Ça peut être n'importe quoi. En partant d'une guerre organisée, en pandémie ou tout ce que tu veux, tout ce qu'on a en tête, c'est de stopper l'arrivée une deuxième fois, mais dans une fois, ça serait sa troisième victoire. Donald Trump. On veut stopper Donald Trump. 你说。<Draw. S 2> <music>